on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Plinking. Cette fois-ci, un tiers sur un déodorant. Donc celui-là, il est presque vide. Et un déodorant qui est plein. Donc on va mettre du sopalin à enlever d'essence à côté pour qu'il y ait une flamme après. Après, je tirerai sur des pipes de foire en... Je sais même pas c'est quoi la matière. Voilà. Donc voilà, pour vous montrer les pipes de foire à quoi ça ressemble, c'est ça. Ça ressemble à des cris en fait. Mais c'est creux. Le déo, il est presque vide lui. Et un déo pas cher à Aldi, là, tout plein. Voilà. On va faire péter. La distance de tir est de 40 mètres. À 40 mètres sur un contreplaqué de 2 cm d'épaisseur. Bon, il a déjà été un petit peu abîmé. On va tirer sur une partie qui n'a pas été abîmée. Donc il fait bien 2 cm d'épaisseur. Regardez mon pouce à côté. Voilà. Après quelques centaines de tirs. Le résultat, c'est un vrai gruyère. Voilà. Et là, c'est les tirs où le tirait tout à l'heure. Capuchon rempli d'essence. Voilà, petit pex. Et... Oh. Et la compote de pommes remplie d'eau. Voilà les 40 mètres. Je tire là-bas. Petit zoom. Voilà, je tire depuis là, vous voyez la carabine, bon il y a le brol, on s'en fout ça. Voilà. Bon, je ne suis pas ambidex, mais je tirerai à gauche, sinon vous ne verrez pas la carabine comme il faut. Ça va pas être facile. Bon. C'est vrai que quand on n'a pas l'habitude de tirer d'une épaule par exemple, on sent plus les vibrations et le recul. On n'apprend pas bien. Enfin, pas comme on devrait l'apprendre comme d'habitude. Avec le sopalin imbibé d'essence à côté. Et on va tirer dessus, donc à une distance de 40 mètres. Je vais dézoomer pour voir la flamme. Thank you.
chivalry is broken.